Je sais même pas pourquoi je parle en anglais. Je suis ben trop habituée de filmer en anglais. Mais cette vidéo est en français. Quel événement, parce qu'on parle de quelque chose d'important. Ouais. Ok, bienvenue sur ma chaîne YouTube des vidéos en français. Il y en a pas 50, fait que profitez-en. Je vais en faire comme une fois de temps en temps. C'est juste que c'est dur de faire comme la limite entre les deux. Bref, ça fait 50 fois que je l'explique, fait que je vais même pas le réexpliquer. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, sujet super intéressant. Les pertes de nonnes. Ouais. C'est très très random comme sujet, je vous l'accorde. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je suis revenue de voyage. J'ai fait un story de ma valise. Story cute avec mon chien, genre unpacking, like so beautiful. And then, je m'en vais comme. Je continue à faire ma valise pendant 2-3 minutes, puis je vois genre une grosse paire de nonnes. Genre direct comme au spot où je fais ma story. Puis là, je suis comme, oh shit. Imagine. Fait que là, vraiment stressée, je retourne sur mon siège, je regarde mes stories, je suis comme « Thank God, on la voit pas ». Je suis comme « Wow, thank you Jesus Christ ». C'est genre tellement secret et personnel, il faudrait absolument pas que les gens voient ma paire de nonnes. Puis après ça, j'ai décidé de le dire. Ouais. Fait que j'ai fait un story pour dire que j'étais bien stressée qu'on ait vu ma paire de nonnes dans mon story. Puis là, j'étais comme… Ça m'a fait penser à… Il y a tellement de trucs qu'on fait pour cacher nos paires de nonnes, puis… Il y a tellement de monde qui savent pas que des paires de nonnes, c'est tout le monde, juste à temps que genre, il fout. Parce que j'ai des histoires. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous lire vos histoires de paires de nonnes, genre les histoires les plus malaisantes. Puis entre autres, je pense à une histoire que j'ai lue, que c'est genre justement, je savais pas que tout le monde avait des paires de nonnes. Puis à un moment donné, j'ai eu une coloc parce que moi, je pensais que j'étais bizarre. Puis je suis allée fouiller dans son panier à linge sale pour voir si elle en avait. Puis quand j'ai vu qu'elle avait des paires de nonnes aussi, ça m'a vraiment fait du bien. Là, j'étais comme... Ah, je veux pas être la coloc, là. Mais bon, en tout cas, c'est juste un sujet comme qu'on parle pas. Puis même Wolfie, je suis comme, comment je fais pour lui dire? Tu sais, elle va-tu se trouver bizarre? Moi, je me suis trouvée bizarre. Legit, là, pendant au moins, genre, 2-3 ans, je me suis trouvée vraiment bizarre. Je savais pas si c'était normal. Puis, je sais pas, ça m'a juste comme, on en parle pas, on en parle juste pas. Puis, tu sais, c'est bien correct, là, c'est pas un sujet qui t'emmène dans sa conversation à la table. Mais, tu sais, je sais pas, là, tu sais, on... Une maman, ça va voir son enfant, je sais que tu vas avoir tes menstruations pis tout. Pis tu sais, ça, on dirait qu'on s'y attend quand on est jeune en tant que tel, mais les paires de nonnes, pas tant. Pas tant, on s'y attend pas tant. Fait que là, je suis comme, comment je vais faire pour le dire à Wolfie? Dites-moi vos recommandations, je fais comment pour dire c'est à quel âge que je dis, c'est à quel âge que ça commence. Je peux dire trop tôt, trop tard, qu'est-ce que je fais? Je vais y envoyer le lien de cette vidéo-là, comme ça on n'aura pas la conversation face à face, mais elle va le savoir que je le sais, qu'elle en a, pis que c'est bien correct. Bref. On va continuer sur ce sujet-là. Si vous avez des enfants ou whatever, envoyez-leur cette vidéo-là. Ça va peut-être être juste malaisant, mais au moins, il n'y a pas de confrontation face à face, puis ils n'auront pas besoin non plus d'aller fouiller dans le panier à linge sale de la coloc. Fait que bref, on commence tout ça? Ouais, je pense que oui. Et donc là, dans mon téléphone, j'ai screenshot les histoires que je trouvais soit les plus relatable, qu'on est toutes genre « Oh mon Dieu, ça nous est toutes déjà arrivé » ou les histoires les plus comme drôles que t'es juste genre « Oh mon Dieu, une chance que ça m'est pas arrivé ». Fait que bref, on va commencer avec ça. Maintenant, j'y vais avec la première histoire que j'ai screenshot. Ah, avant, je veux juste dire, c'est tellement drôle parce que je vais mettre le screenshot ici. Il y en a plein qui ont reçu des pubs ciblées de paires de nounes puis de paires vaginales puis tout ça après avoir vu mes stories. Puis il y en a full là qui m'ont écrit ça. Ça veut dire que genre leur téléphone il a genre entendu par rapport aux paires de nounes, je sais pas comment. Puis après ils leur ont envoyé des pubs comme s'ils cherchaient pour ça. Mais sont genre les filles qui m'ont écrit m'ont dit on avait... j'ai vraiment pas cherché sur internet rien. Genre tout ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé tes stories. Puis après ça j'ai commencé à recevoir des pubs ciblées puis là. It blows my mind. Oh my god, conspiracy theory. Genre notre celle nous écoute vraiment là. Bref. Avec la vidéo. Ah, puis by the way, guys, avant de commencer, encore une fois, avant de commencer, après ça, je commence for real, là, mais vous êtes mieux de penser à moi quand vous allez avoir des paires de nounes. Vous voyez? Puis là, prenez une photo, puis mettez-la dans votre story, puis taguez-moi, je vais les repost. C'est une joke. Joke de Sagittaire, là, tu sais. Ah, ma soeur m'appelle, pas le moment. Bye. Je veux juste dire que bizarrement, quand je parle de des sujets de même, puis je prends une voix un peu bûcheron, ou je sais pas trop quoi, je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais ça m'arrive. Fait que je fais juste le dire. Ok, ça c'est une histoire de chien, ok? Les histoires de chien, on en a toutes, oh mon dieu, parce que si t'as un chien dans ta famille, c'est sûr qu'il a déjà pris tes bobettes à un moment donné. Puis soit c'était super malaisant, soit c'était juste malaisant. Bref, l'histoire commence comme ça. J'habite chez les parents de mon amoureux. Il y a un chien qui amène tout dans sa bouche et j'ai toujours peur quand il vient dans notre chambre, qu'il ramasse une de mes bobettes sales dans le panier et qu'il les emmène dans le salon devant les parents.
C'est une phobie. Je pense à chaque fois qu'il rentre dans la chambre, à savoir qu'il a déjà ramené une boîte de condoms dans le salon devant les parents et qu'il fouille même dans nos poubelles pour ramasser nos mouchoirs. Bref, ce chien est un stress constant pour moi. Je comprends ton stress. Je comprends ton stress totalement. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, ça m'est pas arrivé à moi, mais souvent quand je vais... Willow, c'est genre un des pires chiens, puis maintenant, ben, il habite avec mes parents, c'est le chien à mes parents. Puis quand que je vais chez mes parents, sorry Chloé, mais souvent, il va emmener... souvent, il emmène ses bobettes. Ou genre, mettons que j'emmène mes chiens chez mes parents, c'est sûr qu'ils vont chercher les bobettes à Chloé. Je sais pas, Chloé, t'as peut-être une odeur. Mais non, c'est pas vrai, ils font ça avec mes bobettes aussi, c'est juste que chez nous, c'est comme, regarde, c'est juste moi qui les trouve, hein? Prochaine histoire. Des fois, la mère à mon chum est genre, ah, oh, t'as-tu des trucs à laver? Et je suis comme, ah, oh, non, je vais les laver chez nous, c'est correct. Puis là, elle me dit, ben là, même tes bobettes. Puis je suis comme, non, 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 faut pas qu'elle les voie. Des fois, j'arrive, puis elle les a lavées, puis je dis juste rien. C'est le plus gros malaise de ma vie qui se passe en moi. On a toutes vécu. Toutes les filles qui ont eu comme un chum, qui ont été chez leur chum, puis que les parents du chum. Tu sais, en plus, à cet âge-là, si tu vas chez les parents du chum, c'est parce que c'est sûr que t'as genre 15-16 ans. 17, 18 peut-être, mais genre, t'es jeune. Tu sais, c'est pas à 25 ans que tu vas chez les parents de ton chum, genre dormir là tout le temps, puis ses parents font ton lavage, tu comprends? Fait que c'est sûr que t'es bien malaisé, puis t'es bien stressé. C'est la pire affaire. Fait que si vous êtes une maman qui a un gars, une fille, whatever, puis que si leur enfant veut pas que vous fassiez le lavage, faites-le. C'est pas, ils disent pas non parce qu'ils se sentent genre sweet pis sont comme « Mais non, fais pas mon lavage, genre c'est pas grave, je vais le faire moi-même. » Ils disent pas ça parce que genre ils se sentent mal pour vous. Non, non, ils disent ça parce qu'ils se sentent mal pour eux-mêmes. Parce qu'ils veulent pas que vous voyez les paires de nanas. Non, ils se sentent peut-être mal pour vous aussi, là, mais tu sais, on se comprend. Bref, si la personne dit non, c'est non. Ok, celle-là, c'est une histoire que quelqu'un m'a envoyée en anglais, donc je vais le lire pour vous le traduire. Ça aussi, c'est une situation... Fait que dans le fond, l'histoire, commune ou pas, la fille a pris l'autobus. C'était pendant l'été. Il faisait genre 40 degrés dehors. Elle est assise tout le long, mais elle a une jupe. Et elle a chaud. Donc quand elle se lève, il y a de la sueur, mais clairement, elle voit qu'il y a une paire de nunes mêlée dans tout ça, que ses bobettes n'ont juste pas retenu. So, elle a jamais sorti de l'autobus aussi vite que ça. Mon alarme. C'est l'heure de poster sur Waka. Vous me laissez une minute? Ok, celle-là, il m'a tellement... Moi, les histoires de gars versus paire de nunes, ça me fait... Parce que, imaginez, ok, pensez à ça. Nous, les filles, on en a, puis on est fucking gênés. Genre, on le demande pas vraiment, puis tout. Genre, faut vraiment le googler pour le savoir. Puis on se le fait pas dire. Fait qu'on le sait pas qu'on a ça juste avant qu'on l'aille, parce que comme personne nous l'a dit. Mais imaginez les gars. Eux, non seulement personne leur a dit, mais aussi, genre, ils en ont pas. Fait que les gars, je veux savoir, s'il y a des gars qui regardent cette vidéo-là, je veux savoir en commentaire comment vous avez découvert ça. C'est quelqu'un qui vous l'a dit ou genre, vous aviez une blonde, puis à un moment donné, vous avez tombé là-dessus, puis vous étiez genre, what happened? Tu sais, pour vrai, on s'en fout de genre, qu'est-ce que les gars pensent, parce qu'anyway, c'est naturel, mais c'est quand même drôle de voir. C'est juste drôle. Genre, en ce moment, on est juste dans une vidéo comme humoristique puis pour normaliser la chose, mais juste de penser à la réaction des gars de ça. Bref, quelqu'un m'a dit genre, puis je trouve ça tellement drôle. Quand le gars pense que t'es extra mouillé, mais que tu le sais que c'est juste tes pertes de nunes. Non mais à quel point? Ok, je sais pas si je suis dégueu de dire ça, mais moi je veux l'être vraiment. Genre, je suis désolée à tous les gars. Ben tous les gars, je dis ça comme si on avait plein là, mais juste mes ex. Bref, je vais pas get into the subject, mais je vais juste dire que moi, je relate bien gros à celle-là. Les filles, pour vrai, envoyez ça. Ok, non, on fait quelque chose, ok? Là, mes stories vont être drôles cette semaine. Si vous le faites vraiment, s'il te plaît, faites-le. Envoyez cette vidéo-là à votre chum ou montrez-y, puis soyez genre à côté, mais filmez sa réaction. Juste pour qu'il fasse comme... Tu sais, vous lui envoyez une vidéo, vous dites rien. Juste, hey, tu devrais checker ça. Wow, tu devrais vraiment checker cette vidéo-là. Hey, by the way, check ça. Puis filmer juste comme sa réaction quand il voit c'est quoi comme le sujet. Il y a un meme aussi que le monde, c'est drôle, genre il y a une page de meme la même journée comme un peu plus tard, ils ont commencé à poster un meme sur genre les paires de nunes puis genre juste les gars, je vous le mets là. Non mais tu sais c'est parfait. Fait que je veux voir, taguez-moi, ok, filmez juste la réaction de votre chum puis taguez-moi, je veux juste voir. Ils savent-tu ou ils savent pas? Oh mon dieu, quelqu'un m'a dit, plus j'ai juste trouvé ça drôle parce que...
Quelqu'un m'a dit, je savais pas c'était quoi jusqu'à 13-14 ans, puis un moment donné à Noël, j'ai reçu le dico des filles. Attends, je vais mettre une photo là. Qui a eu le dico des filles? Laissez-moi savoir dans les commentaires, ok? On a tout eu le dico des filles. C'est tellement des bons souvenirs. J'aimerais ça le revoir. Y'en a-tu qui le vendent, mettons, sur Black Market? Y'a-tu encore en vente quelque part? I want one. I need one. Je vais donner ça à Wolfie. Elle va être genre, quoi ça? Prochain. Une fois, j'ai oublié de cacher ma bobette dans le fond du panier et le lendemain, mon chum m'a dit « Oh my god, t'aurais pu cacher tes bobettes sales. » Clairement, il n'était pas au courant. Cacher ses bobettes au fond du panier. Moi aussi, je fais ça. Attends, je vais vous montrer mes trucs personnels. Je vais donner des trucs personnels, maman. Pour cacher ses paires de nounes, ok? Pour diminuer les chances que quelqu'un tombe sur nos paires de nounes. Ok, j'arrive avec le panier. Je vous fais une démonstration. Fait qu'ici, en tant que démonstration, j'ai une culotte. C'est un échantillon Waka Apparel d'une culotte taille haute. Oui, oui, c'est une culotte taille haute. En plus, regardez la couture, c'est seamless. Il n'y a comme pas de couture. Bref, bientôt sur Waka Apparel. Mais là, pour vous montrer comment on fait. Comment on fait pour les cacher? Premièrement, premier truc qu'on fait parfois, c'est on plie cette partie-là, la partie paire de nounes, vers l'intérieur et les deux du autre côté comme ça. Et là, on peut le mettre par-dessus. Mais ça, c'est courageux quand t'as des chiens. Parce que quand t'as des chiens, ils vont chercher directement. Moi, c'est immanquable, c'est sûr qu'ils vont chercher. Fait que l'autre truc, c'est simplement de le prendre. Après l'avoir plié comme ça, tu lèves une partie. Tu le mets en dessous, au milieu, pas ses coins, parce que normalement mes chiens sortent par les trous là. Tu le mets vraiment au milieu, tu fais ça. Fin de la démonstration. Qui fait ça aussi? Bon, on est maintenant de retour à notre vidéo. Wolfie s'est réveillée, fait que là je viens de la mettre dans son parc. Donc elle est à côté de mamie. Prochaine histoire. Mon grand-père, oh mon dieu, j'aime déjà le début. Mon grand-père est venu me chercher pour aller à l'école. Il devait rentrer dans ma maison pour changer mon sac. Qui était d'ailleurs ouvert. Ma bobette est tombée en plein milieu du garage. Mon grand-père a tout vu, mais évidemment, je ne lui en ai pas parlé. La ride à l'école était gênante. Cache mon identité, s'il te plaît. C'est correct. Je cache ton identité, t'inquiète pas. I got your back. Oh mon dieu, imagine la ride dans l'auto. Oh mon dieu, ça aurait tellement dû être pas chill, là. Au milieu du garage. Puis j'adore que, genre, dans le trois quarts, je vous jure, dans le trois quarts des histoires que j'ai reçues, c'était comme, j'y en ai jamais parlé. Toutes les histoires ont ça. À chaque fois qu'on a une histoire de même, on vit le malaise seul et à l'intérieur de nous. On fait juste espérer, prier, s'il vous plaît, qu'il n'ait pas vu. Mais jamais on ne le saura. Nous n'avons jamais de réponse à nos questions. J'adore. Ok, prochain. Quand j'étais en coloc avec deux gars, un jour, j'ai pris ma douche et j'étais pressée d'aller travailler, alors j'ai oublié mon linge sale dans la salle de bain avec mes bobettes avec des paires de nounes. Cause it's always there. Mais quand même, j'ai caché sous mes pantalons. Et en revenant, un de mes colocs me l'a dit en me disant qu'il avait vu mes culottes sales. J'étais trop gênée. Quand je pense aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi elle a checké mon linge sale? Ok, first, on fouille pas dans le linge sale d'une fille. Deux, si tu vois ça, pourquoi tu dis, dis-y pas, est mieux de pas le savoir. Mettons, ok, mettons que ça t'arrive, ok? T'arrives devant la paire de nounes sales à quelqu'un. Étape numéro 1. Laisse-les en place. Touche-y pas. Fais pas comme le lavage pour bien faire. Fais juste le laisser en place pour laisser penser à la personne que t'as rien vu. Puis, juste, dis-y pas. Ne lui dis pas après. C'est tout. C'est as simple as that. Je veux dire, oui, il faut normaliser les paires de lunes, puis c'est bien normal, puis genre, je suis bien contente. En ce moment, envoyez vos vidéos à vos amis, vos chums, vos whatever, comme ça, genre, on va tout normaliser les paires de lunes, on va tout en avoir parlé. Mais on n'est pas obligé de se montrer non plus sur Instagram, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de se montrer. Puis, on peut quand même juste garder ça humoristique. On se comprend? On se comprend là-dessus? Ok, prochaine histoire. Mon proprio vend son bloc. Il y a un inspecteur qui est venu checker le panneau électrique et d'autres trucs. Le proprio me lâche ça le matin en pleine fin de semaine, donc c'est vraiment le bordel. Je crisse tout mon linge. C'est vraiment ça qui est écrit. Bon, pas moi, il y a des accrètes. Je crisse. En plus, je répète. Je crisse. Ok. Je crisse tout mon linge sale sur la laveuse qui est dans le garde-robe. Mais l'inspecteur a dû ouvrir les portes du garde-robe vu que le panneau électrique était dans le garde-robe. L'angoisse, oui. Oui, l'angoisse. J'étais allée voir après, puis il y avait legit ma vieille paire de bobettes avec des paires de nounes direct dans sa face au panneau électrique.
Gênant. Au moins, c'est un inconnu, tu le revois plus. Pas grave. Ciao, bye, la visite. Mais tu sais, tu te dis juste, genre, lui, il a réagi comment? Il a-tu fait comme, I like it. Imagine comment ce serait. On va même pas y penser. Prochaine histoire. Je vais à une école privée, donc je porte des jupes à l'année longue. Oh mon Dieu, simple. Ben, pas live, là, mais avant. Shout-out Académie La Fontaine, paire de nous avec les jupes. Et une fois, j'avais oublié mes cuissards, alors j'avais seulement des bobettes en dessous. Et là, on était dans le vestiaire. Je me mets à danser avec mes amis de filles, et là, je lève ma jambe et mon ami me dit « T'as une tache transparente sur tes bobettes. » Puis c'était mes paires de nunes, j'étais trop gênée. Oh, j'adore le fait que c'était un moment où t'es genre full confiante, t'es genre « Wouh! » Genre, je danse, je lève ma jambe et tout, et là, on casse ton fun. À quel point t'es pas bien le reste de ta journée, mais au moins c'est entre filles, genre, on dirait, je sais pas, mais moi, mettons que ça se passerait entre filles, je serais juste comme « Ah, we all know, ah! » Parce que, mettons que je vois une fille qui a une paire de nunes, je me dis pas genre « Arc! » Je me dis juste comme « Simple, je peux tellement relate à ta situation. » Ou juste, dans toutes les situations gênantes, en général, je peux... Je comprends pas, on est toutes gênées. Tu sais, mettons quand on tombe sur la glace, on est toutes comme gênées, mais dans le fond, quand on voit quelqu'un, ben c'est peut-être juste moi là, je dis moi dans les commentaires, je sais pas. Mais moi, si je vois quelqu'un qui a une situation gênante, je suis pas genre, arc, oh, cette personne-là, ouh, ah, je suis juste comme, oh mon Dieu, ça aurait tellement pu être moi. Genre, c'est tout le temps ça, je me dis dans ma tête, jamais, j'ai comme, je sais pas. Fait qu'on dirait, je suis comme, ben dans le fond, on devrait juste pas être gênée, parce qu'à tout le monde, leur réaction, c'est juste comme, ouais, ça pourrait être la même, moi. Mais peut-être c'est pas tout le monde leur réaction, c'est peut-être juste moi qui vis dans un monde de fantaisie et de gumballoon. Bref. Prochaine histoire. J'étais dans un camp de vacances pendant 2 semaines et il y avait comme un trend de faire des pranks entre filles et gars. Et on avait genre 15-16 ans. Les boys se sont dit que ce serait une merveilleuse idée de pénétrer dans notre chalet dortoir et de voler toutes nos bobettes et de les crisser dans le plafond flottant. Les filles braillaient parce que les gars avaient vu leur paire de nunes. Tout le monde s'attendait pas à ça. Tu sais, c'est genre le pire prank que les filles auraient pu recevoir. Puis je suis sûre que même les gars de 15-16 ans qui ont vu des paires de nunes se sont sentis troublés. Mais au moins après ça, ils étaient comme au courant. J'aurais sûrement pleuré moi aussi à cet âge-là. J'aurais pas voulu retourner dans un camp de jour. Je sens que ça m'est pas arrivé. Oh, celle-là est bonne. J'avais pas épilé mon bikini line, donc j'ai gardé mes bobettes. Eh bonne, mais vous allez attendre, Wolfie a vu que j'apprenne. Oupidou! Qu'est-ce que tu veux? It's okay? Ah oui, là, elle a vu la caméra. Elle aime tellement ça, se faire filmer, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a même pas besoin d'être genre l'écran de sel. Elle voit la caméra. Puis tu sais, la caméra, il n'y a pas le truc qui retourne de bord, elle se voit pas. Mais elle aime tellement ça, mais ça n'a pas de bon sens. Ok, là, je continue l'histoire parce qu'elle est bonne. Ok, j'allais faire épiler mon bikini line, donc je gardais mes bobettes, mais sans m'en rendre compte, elles étaient mises à l'envers, genre inside out. Alors l'esthéticienne a toutes vu mes paires de nunes. Ça m'est déjà arrivé. Puis tu sais, l'esthéticienne, elle a sûrement rien dit. Là. Malaise. Ok, on continue. Desculpé, Doudou voulait du lait. Doudou veut tout le temps du lait. C'est tout ce qu'elle veut. Ok, donc mon père fait mon lavage et il commence à mettre le linge dans la laveuse. Je suis encore dans la salle de bain et il me dit en me montrant mes culottes. « Ew, c'est quoi ça? » avec la pire face de dégoût. J'étais juste trop gênée et mon réflexe a été de dire « Ah, ben je sais pas, haha, mais tu sais, le rire le plus malaise que t'as jamais entendu de ta vie. » Ça m'est déjà arrivé. Quand quelqu'un nous question, moi, je me suis déjà fait question about it parce que mes chiens avaient emmené mes paires de nunes. Ouais, mes chiens avaient emmené mes paires de nunes. Puis c'était comme « C'est quoi qu'il y a dans tes bobettes? » Je pense que c'est Chloé qui m'avait dit ça, mais ça fait longtemps, là, mais genre... Chloé, ma soeur, m'avait dit « Ah, c'est quoi ça dans tes bobettes? » Puis j'étais comme « Je sais pas de quoi tu parles. » On a tous déjà répondu même. Celle-là est bonne aussi. Un moment, au secondaire, j'ai déposé mon sac d'école sur une pile de linge châle dans ma chambre. Puis le lendemain, seulement rendu à ma case, je me suis rendu compte qu'il y avait mon G-string toute croûtée de pertes séchées qui pendait de mon sac d'école. Sincèrement, un des moments les plus honteux de ma vie. Mon chum qui voit tes stories et qui me dit « C'est-tu vrai ce qu'elle dit? J'ai pas ça, moi, des pertes de pénis. Je pleure. » J'ai pas ça, moi, des pertes de pénis. Ok, une autre histoire de sac à dos à l'école. J'utilisais mon sac à dos pour aller dormir chez mon chum et un jour au secondaire, j'avais oublié une bobette sale avec une perte et ça l'a collé sur mon cartable de... Oh, la perte, elle a collé sur le cartable de français.
Alors, à la vue de tous, j'avais ma bobette collée sur mon cartable en classe. Ça m'a pris un bon 2 minutes avant de réaliser. Bref, c'était super malaisant puis je suis devenue rouge. J'adore ces histoires, j'adore. Fait qu'en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Père d'Anonyme. Si vous êtes pas trop gêné ou que vous avez un compte YouTube anonyme, n'hésitez pas à laisser savoir vos histoires dans les commentaires. Anyway, c'est un espace de filles ici. Quoique, il y en a qui ont peut-être envoyé cette vidéo-là à leur chum. Mais c'est pas grave, on essaie juste de normaliser tout ça. Puis au pire, de rendre... On a tous vécu un malaise par rapport à ça. Fait que de le rendre humoristique, pourquoi pas. Ça va juste être drôle. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là en français. Give it a big thumbs up! Comme ça, je vais pouvoir savoir que vous aimez ça, les vidéos en français, puis je vais en faire plus. Puis je suis désolée à mes followers en anglais, mais ils comprennent pas ce que je dis en ce moment, puis clairement, c'était un follower en anglais. C'était pas rendu là dans la vidéo, mais en tout cas. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé. Bonne journée, on se revoit pour une prochaine vidéo en français. D'ici peut-être 2 semaines, à peu près, 2 ou 3 semaines, je vais essayer d'en faire une de temps en temps. Et mes prochaines vidéos en anglais, ben j'en sors à peu près 1 ou 2 ou 3 jours. Depuis environ 1 mois, je suis bonne quand même, je suis vraiment fière de moi. Fait que bref, subscribe and hit the bell button. There's a bell somewhere in the image. There. Whatever. Si tu pèses là-dessus, tu vas recevoir une notification sur ton cell à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo YouTube. Fait que c'est ça. Bisous, bye!